Hey, salut les fans, on se retrouve pour une énième fois sur la démo de Pokémon Soleil et Lune. C'est parti! Le petit tour habituel pour voir s'il va se passer un truc. On va voir, on va parler un peu à tout le monde, comme j'ai déjà fait pour des épisodes. Je fais des 2.1, 2.3, 2.1, alors, discuter. Non, je veux rien envoyer pour l'instant, je le ferai quand j'aurai les jeux, excusez-moi, j'ai un clic. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Discuter. Il m'a parlé de dresseur, d'accord. On va voir les personnes qui nous disaient d'aller les voir au bout d'un certain nombre de jours, peut-être qu'il y a du nouveau. On va monter à deux taureaux. De beaux taureaux, ça me rappelle les taureaux de Sacha. Il doit en avoir au moins une quinzaine de taureaux. Excusez-moi, j'ai le hoquet, j'espère que ça va pas s'entendre. Comme par hasard, quand je fais la vidéo, j'ai un genre de hoquet, je sais pas comment définir ça. Rien de neuf, on va aller voir l'énigmatique comme d'hab. Parce qu'on aime bien ce personnage. Quoique j'irai le voir à la fin, parce qu'à chaque fois quand on va le voir, ça sauvegarde automatiquement. Donc j'aime bien les petites sauvegardes, ça fait toujours du bien. On va voir s'il n'y a pas des nouveaux personnages qui traînent. Hop, rien de nouveau, rien ici, ok. Toujours rien ici. Elle qui voulait voir le professeur Forbes. C'est pas aujourd'hui. Ah bah ce sera demain, d'accord. Faut pas que je zappe demain. C'est un coup à ce que je le zappe. Rien de nouveau. Toi, rien de nouveau. Allez, on rentre dans le bar, dans le truc avec 9 euros, c'est calme. Purée, ça fait très mexicain, je trouve, la musique. Je sais pas si c'est à moi. Ou plutôt très exotique. Voilà. Ça va mieux ce terme. Allez, le Maconeur là qui se fait. Qui doit se faire chier. Hein. On va pas se le cacher. Bon, lui, il me fait chier à devoir me dire tenir la Pokémon par je ne sais où. Il sert à quoi le commissariat de police? Il va y avoir un event qui se passe. J'attends, moi. J'attends que ça. Je pense que je continuerai la démo du coup. Vu qu'il y en a aussi dans 20 jours. Dans 20 jours, le jeu sera déjà sorti. Donc je vais. Je continuerai la démo malgré que le jeu soit sorti. Hein. Parce que ça fait toujours des objets en plus. Déjà bien. Dans 14 jours. Par exemple, dans 14 jours. C'est-à-dire dans 2 semaines pile, le jeu il sort au moment où je tourne cette vidéo. Donc si vous faites le calcul, on est le 9. Novembre, je veux dire le 9 octobre, désolé. Bon, elle, je sais pas, on dirait limite un fantôme. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle veut prendre l'embarque carnet, ou je sais pas quoi, dans 20 jours. Pourquoi pas? Y'a que ça comme event, il me semblait qu'il y en avait plus. Je vais faire un tour dans les bâtiments là. En mode de... Je trouve que notre taureau ça fait en mode bout de feu. Tiens, il y a un portail là. Il mène vers où ce portail? J'ai jamais fait attention. C'est juste des hautes herbes comme ça. Il y a rien d'autre. D'accord. Pour entendre des Pokémon, c'est stressant. Mais je sais que c'est le Coraillon. Enfin, il me semble que c'est le Coraillon. Tiens. Non, on part pas. C'est juste à voir. Ah, c'est bien, les PNJ, ils ont une vie. Ça change mes habitudes. Ah, il n'y avait pas un event avec Pikachu, là. Voilà. Dans 8 jours, d'accord. Pikachu! Mais je le fais très mal. En plus, je crois que c'est la vraie voix japonaise de Pikachu, ça. Pas de nouveau personnage. Rien de nouveau ici. Bon, on va reparler. Notre maman, ça fait au moins 8 jours qu'elle attend ses papiers là. N'importe quoi. Bon, on a fait notre tour ou j'ai oublié des bâtiments? On va faire vérifier. Voilà, il n'y a pas grand chose à vérifier. On va aller voir si on peut faire des combats. On a parlé de combats tout à l'heure. Enfin, le professeur reforme.
Si ça se trouve, il va enfin se passer quelque chose. Oh non, j'ai pas envie de faire le défi de capture pour la énième fois. Ah, puis il y a toujours les maconiers qui bloquent là-bas, sûrement. Voilà. Non, j'ai pas envie de sauter. Allez, let's go! Let's go! Ouais, bon bah. Y'a rien de nouveau, on va aller voir l'énigmatique. Parce que nous, on est des ouf. On veut savoir c'est quoi le mystère avec son prénom. Enfin, avec son nom et son prénom. Comme New Stop, le mec. Allez, let's go! J'aime bien cette animation. Bon allez, on va aller voir l'énigmatique. On va encore nous reprocher qu'on vient de voir on ne sait quelle raison. Ça se trouve, il y a un certain nombre de pierres qu'il faut pas éclater. Ça a créé un truc. Eh, hey, c'est moi l'énigmatique. Ce bruit de rocher qui explose, ça ne pouvait que être toi. Demeure une énigme pour ce vieux énigmatique. Commence à m'attacher à toi, ça sera un, mais je n'ai vraiment rien à faire. Il va se barrer et ça va sauvegarder. Et nous, on va s'arrêter là. Aujourd'hui, un petit épisode d'environ 7 minutes. Voilà, c'est ce qu'il me faut pour vérifier que je rate pas des ventes. J'espère que ça vous a plu et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Raymond 7. Bye tout le monde.